Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite du jeu Alien Isolation en mode cauchemar. Donc nous sommes arrivés à la partie 7 des vidéos. La partie précédente, nous avions récupéré le cylindre et là nous allons devoir aller réparer l'ascenseur. Avant toute chose, pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est important. Pensez à activer la cloche des notifications, ce l'est autant. Et prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image, la résolution 1080p si ce n'est pas fait automatiquement, c'est toujours pareil, et on va pas tarder à commencer, ouais, on va se le faire à la one again, beast to fly, on oublie qu'on n'a aucune chance, on fonce dans ce mode nightmare, et on va voir ce que ça donne. Allez, go, je vous fais pas attendre plus longtemps. J'ai rendez-vous avec l'alien. Là, on peut pas y aller. Je vais faire comment? Non, l'alien, il traîne là. Il est dans ce mode-là. Il est vraiment très très présent. Là, ben là, de toute façon, ben non. Là, c'est là où j'étais allé. Ok. Oui, l'alien est omniprésent. Est-ce que je peux passer par en dessous? Oui. Non, je vous le dis, hein, je suis pas une flippette, ok, voilà. Bombe tuyau, non. Inventaire plein, attendez. Je peux rien fabriquer là. Émetteur de sang pour fabriquer, non, il me manque un truc. Je peux rien fabriquer, les amis, hein, c'est. C'est vraiment un cauchemar cette histoire. Donc, en fait, c'était juste pour le plan de la bombe tuyau, quoi. Là, non. On va activer. Mon détecteur de métaux qui ne marche pas, franchement, regardez, il a Alzheimer, il bouge dans tous les sens. C'est des gros moments de solitude. Vous l'avez entendu? Ouais. Moi aussi, je crois. Oh, on va éviter de passer là-dessous. Thank you.
Franchement, je stresse pas un poil, hein, je vous le dis. Je fais même du zèle à rester debout, vous voyez, voilà. Vide, tous les corps sont vides. C'est comme ça. Récupère une plaque. Vide. Donc, attendez, on va save, hein, on va save. La save, ça survit, hein. Franchement. Surtout dans ce mode. Oh là là, les amis, on est passé. On est passé. Mais que va-t-il nous attendre par la suite? Je vous le demande. Je n'ai pas peur, je suis un rappeur. On va re-sauvegarder ici. Parce qu'on sait jamais sur un malentendu que je me fasse buter par un méchant alien. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ça? Pas très adepte de ces pratiques là, hein. Je sais pas trop ce qui se passe. Oh putain! Ça c'est dit, ça c'est fait. Je vous avais prévenu que j'étais pas adepte de ces pratiques, hein. Franchement. Oui, ma fille. Oui, mon bébé. Je peux pas te prendre là, ma fille. Donc, eh bien écoutez, on va recommencer. Donc, on a un ennemi qui est là-bas. Ah ouais, ok. Ouais, je passe comment là? Pas trop, ils vont me capter là, non? Vous pensez pas? Ils vont me capter. Ah, ils sont partis. Bon ben on va pas passer par en bas. Ce n'est pas la peine. Ouais, ils ont fait tomber l'alien en fait.
Et je grimpe là-haut, mais bon. C'est frayé. D'accord. Waouh, c'est compliqué, hein. Ouais. En fait, je veux rentrer chez moi là. Bon, on va attendre là. Et on va regarder s'il n'y en a pas qui se barrent de là-haut, parce que... Là, t'es sérieux? Oh, le mec, quoi! Waouh! J'ai pas le temps d'avancer, je fais rien, quoi. Ouais, mode cauchemar, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que là ils vont me voir. Ok. À lui en tirer dessus. Ce que je vais faire, je vais rester là derrière. On va attendre qu'ils partent. Deux en haut. Il y en a un en bas, à mon avis. Et ils sont deux, mais ils sont tournés. Je t'explique. Ah ouais, faut arrêter de déconner là. Je flippe pas, hein, pas du tout. 100% focus, concentration. On est en mode cauchemar. Ça rigole pas. J'ai une save ici. Je pourrais faire passer par les côtés des bureaux parce que... On ne sait jamais qu'il y ait l'alien qui arrive dans mon dos. Ok. Voilà, là, on avance bien. C'est pas trop mal. Mais regardez. C'est ouvert au-dessus, là. Ouais, tu l'as senti? Ouais. Moi j'ai pas eu mal, hein. Ah. Donc
Que faut-il faire? Il n'y a rien qui m'est indiqué. Ça, on peut pas prendre, si. Ah si. Un agent collant. Il n'y a vraiment pas grand chose à récupérer. Regardez là derrière, s'il n'y a pas la puissance faible, ok. Faut aller où là? Trouver la sortie vers la centrale de fluide synthétique. Ok, torche plasma. Bon. On a un ascenseur ici, hein. Pourquoi ne pas s'en servir, je dirais. Bon là pour le moment, mis à part le mauvais départ, ça se goupille pas trop mal. On a eu l'alien au loin. Tant qu'il est loin, il me dérange pas. Et vous? Est-ce que les xénomorphes vous font peur? Est-ce que vous en cauchemardez la nuit, les petits? Non? Vous devriez... Gare aux xénomorphes. Oh, eat. Ok. Ah. Ici alors? Oui. Pas eu peur un brin, je vous le dis. Qu'y a-t-il? Utiliser le synthoniseur. Comment c'est incorrect? Il faut que je change les lunettes, c'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Ouais. Bah. Oh. Ah. Le dessin il me plaisait bien, j'ai dit pourquoi pas. Même si ça me sert à rien, regardez. Ok, torche plasma. Je vous avais formellement interdit d'atterrir sur la station. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas entendu votre message. On pensait que vous seriez... Oh là! Identifiez-vous. Ripley. Je suis bien accueilli. Je viens hein. De Torrens. Waouh. Relax, Ricardo. Qu'est-ce qui se passe ici, Marshall? Où sont les forces de sécurité? Juste sous vos yeux. J'ai vu la créature. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas.
Quelque chose amené ici par Marlowe, le capitaine de la Nessidora. Vous dites que le vaisseau qui a trouvé la boîte noire a également trouvé cette... Y a-t-il encore un endroit où on soit en sécurité ici? La créature se balade et les synthétiques de Sixon ne sont pas très coopératifs. Androïde de merde. Ripley, Taylor a besoin de soins. Oubliez le centre de soins. C'est une zone condamnée. Oh, c'est clair. Il y a une unité d'assistance respiratoire au QG. Alors allons-y. Il faut qu'on utilise le transit pour se rendre au QG, mais il est en panne. La salle de contrôle des transits se trouve à l'étage. Samuel se dit que vous êtes ingénieur. Allez donc vous rendre utile. Comme c'est vous qui avez fait foirer le piège. Ouais, c'est ça. On en reparlera plus tard. Ouais, allez. Protégez-les pendant que je suis pas là, compris? Attendez, il faut que je sache. Ricardo verrouille sa fréquence radio pour qu'on reste en contact. Voilà, on va save, hein. Bon. Pour le moment, je suis 100% confiance, hein. On a passé plus compliqué, on a passé l'hôpital, le dispensaire. Là, ça devrait le faire, c'est pas trop ce qui m'attend, mais bon. Ça devrait le faire. Ok. Par contre, le bruit là, c'est normal. Non, il n'y a rien. Ok, allez. Et ma petite, tire fort. J'aime bien quand ça tire comme ça. Alors ? Ah mais c'est un ascenseur peut-être que j'attends. Oui, d'accord. Wow. Je disais la porte elle est hyper longue à s'ouvrir en fait. Attendez, deux petites secondes, je suis à vous de suite. Bon, re, je suis désolé. J'ai dû m'absenter quelques instants, donc j'ai coupé la partie. Allez, on y go. J'entends un bruit suspect. Ce n'est pas très rassurant. Non, non, non. J'allume mon Rocky, ok. Porte fermée. Je vois pas. Ah. Un clavier, ok. Merde, quelqu'un a tout éteint. D'accord. Bon. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde. Qu'est-ce que je fous ici? Comme ça, toi, tu vas pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Allez, amis. Ok, donc à mon avis, on a une autre poignée à faire. Je pense. Ah, attendez. Activer le transit sur la console principale. Ok. Ah bah c'est... Oh merde. D'accord. Ok bah...
Je n'ai pas tout compris. J'ai fait le taser, ça marche pas. Comptez lui donner un coup derrière la tête après, mais non. Non. Bon. Et on recommence. Là, on peut toujours pas. Par ici. Ok, on va prendre l'ascenseur. Franchement, je comprends pas que l'androïde il me tue aussi facilement en fait quoi. Tu peux rien faire, même en cauchemar, j'appuie spam carré ou croix, peu importe de toutes les touches, y a rien qui marche quoi. Prendre des chichounes, je dirais. Hein. Donc. En fait, ce qui serait bien, c'est si on avait. Ce serait bien s'il y avait une sève en fait. Quelqu'un a tout éteint. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Là en fait... Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde. Je pense qu'il faudrait que j'aille... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais aller à l'ordi et je vais voir si l'androïde peut pas... se battre avec l'autre humain et... Qu'est-ce que vous avez fait? Et que je puisse m'échapper tranquille, vous voyez. Vous ne devriez pas être ici. Suivez-moi, je vous prie. Il y a quelqu'un ? Regardez. Hop, hop. On se casse. Oh merde. Ouais mais c'est quoi ça putain. Excusez-moi pour mes mots. C'est complicado. Pas de sève. Là, de l'androïde, franchement, je lui tire dans la tête, il veut rien savoir, quoi, le mec. Hein. Allez. On la retente. En mieux, hein. Je sais pas comment je vais faire. Faut que je regarde si j'ai pas un endroit pour me cacher en fait, une fois que... Je devrais partir, non? Je pense. Le lambda. Écoutez, on va voir ce que ça dit là. On reprend le plan. Et parce que ça m'ouvre là. Là, je n'ai pas de placard. Si, j'ai les placards ici. J'ai les placards ici, ok. C'est-à-dire qu'au pire, on va... Faut que le lambda, il se barre, hein, de toute façon. Il n'y a pas moyen. Merde, quelqu'un a tout éteint.
Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Donc, on va faire pareil, mais on va se cacher directement dans le... On va se cacher dans le placard qui est ici. Allez. On actionne, on actionne, on actionne. Qu'est-ce que vous avez fait ? On va attendre dans le placard. Voilà, normalement il devrait être barré et il croit qu'il n'y en a qu'un, hein, je pense. De toute façon, dans tous les cas, on pourrait pas fouiller les autres pièces avec lui autour. Il est là-bas, cet enfoiré. Il m'a pas vu, hein. On va faire le tour, tranquille. On va pas l'embêter, le mec, on va pas l'embêter. Avec les yeux rouges qu'il a, il a une maladie, le type, hein, de toute façon. Regarde s'il part, tranquille. Il devrait repartir, il va pas rester là. Hein. Ah, il revient. Est-ce qu'il part ou est-ce qu'il tourne comme ça? Je vais devoir l'affronter ou quoi? Les amis, aidez-moi, j'ai peur. Enfin, donc dans le dos et coup de trique dans la tête, hein. Allez, on va activer tout ça. Ripley, ici Waits. Le transit est là, on vous attend. Écoutez, j'ai eu quelques soucis, il va me falloir un petit moment pour revenir. Ouais. On peut attendre. Bah Taylor, je prendrai la prochaine voiture. À vous de voir. Donc. Il n'y a jamais rien. Pas de bras, pas de chocolat, c'est trop bon. C'est Vastoline qui a... Redémarrer le transit. Écoute, espèce de taré. Tu crois que cette chose peut se déplacer en voiture de transit ? T'es assis sur une commande qui déconnectera le transit d'Apollo. Alors active-la, tu peux mettre fin à toutes ces conneries en poussant un simple levier. Tu crois que t'es plus en sécurité avec le transit hors ligne, mais on est coincé comme des rats. Aidez-nous, nom d'un chien. Ok.
J'ai un tuyau pour toi, du con. Essaye même pas d'aller tout balancer à Sinclair et au gars de la sécurité Sixon. Je leur ai dit que c'était toi qui avais tué Morrison. S'il te chope, t'es un homme mort. T'aurais pas dû me laisser te rejoindre dans ton abri. Tu vas pas tenir plus d'une semaine. Ok. Un gang inter-Sébastopol. Hein. Ok, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est? Chalumeau. Ah oui, les portes oranges. Qui demandaient un kit chalumeau. Ok. Y'a rien à récup là, non? Ici non plus. Donc. Bon ben allez. Le chalumeau, ça va nous servir pour se barrer. Étant donné que le transit. Voilà quoi. Allez, go. On va se faire une belle découpe à mon avis. On va sortir de Saint-Cyr, hein. C'est un peu long hein, pour couper. Allez, allez, allez. Super. Que j'aime me diriger dans des conduits seuls dans le noir. Oh là 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 là. Je sais pas si l'alien il se balade là en fait. Ripley, j'ai entendu des voix en partant. Faites gaffe. Ah d'accord. Me dites pas qu'il y a des humains qui sont venus dans la zone de transit là. Pas pourquoi. Je préfère me cacher en attendant. Il a peut-être trouvé un meilleur endroit à dévaliser. Ah ben. Un moyen de quitter le stade ferraille, et ben pour moi. Ça. Ou alors c'est aujourd'hui le jour où on s'enferme enfin dans les quartiers résidentiels. Thank you.
destination de la tour d'habitation Solomon. Je pense qu'on n'avait pas le choix, mais c'était votre idée, pas la mienne. Ils sont un peu nombreux là, non? Vous en pensez quoi? On va rejoindre Sinclair. Il est hors de question qu'on se sépare. L'union fait la force. J'en suis même plus si sûr en fait. Cette chose est impossible à arrêter. Donne-moi un bon angle de tir et tu peux dire au revoir à cet enfoiré. Oh ben c'est top, il remonte. Ouais, dans ce mode, il faut vraiment attendre en fait. Prendre son temps. Pour ça, je vous ai dit, prenez-vous à boire, à manger tout le temps au début des vidéos. Parce qu'on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri de devoir se cacher un certain bout de temps. Hein. Ok. Bon. Bonne chose de faite. Wow. Donc surtout, mais j'en profite. Hein. Toi qui regardes la vidéo, si ça te plaît, si tu veux voir d'autres aventures en hardcore, il n'y a pas de problème. Tous les jeux qui vont venir, je vais tenter de les faire en hardcore. Suivant mes possibilités hein, aussi. Hein. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc, si tu veux continuer à suivre mes vidéos en hardcore, en cauchemar ou autre, pense à t'abonner et pense à activer la cloche des notifications, c'est important. Hein ? Allez, je compte sur toi ? Ouais. C'est cool. Elle est où la sortie ? Elle est où la tête ? Elle est où le queue ? La galerie marchande Solomon, le bureau du marshal colonial et les suites Sixon. Ouais, mais il me faut une sèvre. Que j'ai pas le choix. Ah, elle est là-bas, non? Yep. Ah, si. Tu es tranquille en marchant. Pour moi, il n'y a plus d'aliens. Je vais me faire pécho, vous allez voir ça un peu. Ripley, on est dans le bureau du marshal. Tournez à droite en haut des escaliers. Vous pouvez pas le rater. Pas de comité d'accueil? Bon, allez, ramenez-vous. Terminé. On sabre le champagne quand j'arrive? Non? Allez, une bonne bière, allez. C'est tout vite, ça. C'est pas pourquoi... je m'emboucane la vie. Prenez à droite, ok. Des cartes qui servent à rien. Du calme, on est en sécurité maintenant. Waits a un plan. Un plan? Sérieux? Ces putains de plans lui ont pas vraiment réussi jusqu'ici. C'était vous? Vous avez fait remarcher le transit? On sera bien joué. En sécurité ici. En tout cas pour l'instant. Bah, dis-moi ce qu'on doit faire. Non. Comment va Taylor? Son état est stable. Elle sera remise sur pied en un clin d'œil. Samuel, c'est avec elle. Oh, des revues de cul, quoi. Vous avez réussi à rétablir le transit? Je pense qu'on est quitte. Oui, Ricardo. Il prépare la suite. Je suis occupé, comme vous pouvez le voir. J'ai mis Marlowe au trou. Vous savez, le voyou qui s'est ramené avec votre boîte noire. Où est le vaisseau de Marlowe? La Nessidora? Il l'a mis en orbite d'attente autour de la géante gazeuse. Ce fils de pute veut pas nous donner les codes de contrôle pour qu'on puisse le ramener en automatique. Peut-être que vous aurez plus de chance avec ce bon à rien. Allez lui parler. Ouais, il dit qu'il bosse. Quand je suis arrivé, il était en train de lire Penthouse. Franchement. Bravo, mec. Franchement, t'es un exemple pour tout le monde. Pour toute la gente humaine. Bon. Marlowe, ah. Marlowe? Qu'il demande? Je m'appelle Ripley, je suis de la compagnie. Déjà là pour vous plaindre que votre boîte est vide? Vous vous êtes pas du genre à lâcher l'affaire? Je suis là pour des raisons personnelles. Ma mère était sur le Nostromo quand il a disparu il y a 15 ans. Sérieux? Merde. Basse. Putain. On n'a jamais trouvé son vaisseau, Ripley. Juste la boîte noire. Ouais, enfin, vous avez bien aussi trouvé autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Faut que je foute le camp d'ici, Ripley. Peut-être qu'on peut s'arranger. Racontez-moi tout.
Je veux tous les détails. Donc, Marlowe sait. Il sait quelque chose. Mais va-t-il nous le dire ? La suite au prochain épisode ? Non. On continue encore un peu. T'as eu peur, hein ? Avoue que t'as eu peur, je le sais. Ouais. Regarde-moi droit dans les yeux. Ose me dire que t'as pas eu peur, que j'arrête la vidéo ici maintenant. Hein ? Bon. Allez. Si c'est un morceau que tu cherches, Foster, j'ai quelque chose pour toi, si tu veux. Je sais pas si j'ai un radar assez puissant pour les trouver. Bon, vous allez pas commencer. On se concentre sur notre objectif. Je veux aucune erreur. Ok. Je sais pas trop où on va. Mix, gardez l'œil ouvert. Non, mais c'est pas là. Là. Que faut-il faire? Où faut-il aller? Attendez. Ok, suivre le signal. Lewis, t'as enfin réussi à décoder le signal ou pas? Négatif. Pas ce que c'est. Tant mieux. Si c'est un truc mystérieux, alors c'est inconnu. Et si c'est inconnu, ça a peut-être de la valeur. Alors, c'est peut-être un danger, ouais. Peut-être bien. Jeter un œil de plus près pour voir si je peux trouver un point faible. Attendez-moi ici. Ouais. La chemin autour de l'autre direction. Bah là-bas, je peux monter là peut-être, non? C'est mon pote qui attend. J'ai besoin d'un coup de main. Hey, c'est par ici. Fais-moi la courte échelle. Allez, vas-y. J'ai trouvé un chemin. Je vais vérifier. Si jamais tu viens pas, vous prendrez votre mal en patience. C'est pas passé loin. Je pense pas que je pourrais revenir par le même chemin. Bon, ça c'est bien. On va voir ce qu'a vécu Marlowe. Excellent, vous vous rendez compte, on est dans l'espace, les amis. Bougez pas, je crois que j'ai trouvé quelque chose par ici. Il y a une fissure dans la roche. Reculez, je vais la faire exploser.
Bon, ben voilà. Bonne chose de faite. Petit explosif, tranquille, du C4. Allez, on continue. Suivez-moi. Haste, par ici. Fais-moi la courte échelle. Allez, vas-y. On va grimper, tranquille. C'est vraiment très, très bien fait. Oh, un vaisseau. Cette immersion était vraiment sympathique. Immersion dans l'espace, comme ça on joue un autre perso. Ah mais ça continue. Bon ici il n'y a pas d'alien. Hein. Quoique... C'est jamais sur malentendu. On est quand même dans l'espace, hein, faut rester prudent. Mon deuxième prénom, vous savez ce que c'est? Non, c'est Prudence. Je me cache derrière mon petit camarade. Non, non, je regarde pas son cul, hein. Non, non, désolé. C'est ma... mon joystick qui est descendu. Pas comme ça, oh, oh. Je sais même pas une fifi. Oh. Entrer dans l'épave. Oh. Je voudrais passer devant toi, je peux maintenant. C'est un grand. Hein. Allez. Il veut pas. C'est bon, vas-y. Hein. Rien qui vaille cet endroit là. Gaffe à ce que vous touchez. Surtout n'abîmez rien, compris? C'est incroyable. What the fuck, quoi? C'est quoi? Un cockpit? Ça veut dire que c'est un vaisseau? Je crois qu'on a enfin trouvé notre pactole. Et ta gueule? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur qu'on le réveille? Hé, hey, désolé, vieux. La ferme! On perd du temps. Explorez-moi ça. Ouais, j'explore. C'était un organisme vivant. Maintenant, c'est à nous. Droit d'exclusivité. Ouais. Eh ben on prendra ce qu'on pourra et on reviendra. Regardez ce qu'on peut trouver d'autre dans le coin. Marlon, on a trouvé quelque chose. Des traces. Des traces? Comme si on avait traîné quelque chose par terre. C'est pas tout. La suite n'a pas clair. Qu'est-ce qu'il y a? Les traces mènent jusqu'ici. C'est le même nom qui est inscrit sur la boîte noire. Monstro. J'ai l'impression que quelqu'un est déjà venu ici. Peut-être qu'ils ont abandonné leur vaisseau et atterri ici. J'ai l'impression. Merde! On peut monter là-haut? On va savoir ça tout de suite. Je vais trouver cette balise et l'éteindre. Pas envie que d'autres glandus trouvent cet endroit. Foster, Haste, allez vérifier le souterrain.
Non, on peut pas monter. Personne ne peut venir me... Non. On va faire le tour parce que je vois pas trop où faut aller. Ah. Que c'est par là où on est passé tout à l'heure, j'en sais rien. Eh oui. Eh oui, c'est par là. Oh, je suis nul. Elle est où la valise? Ouais, viens vous voir les amis, parce que je suis perdu là. Vous m'aiguillez là, non? Tu veux pas? Toi non plus, t'as rien à me dire? Non. Je comprends pas, est-ce que c'est là où j'étais tout à l'heure? Il y a personne qui vient pour me faire monter là-haut. Pas monter là-haut, je vois pas, je ne vois pas localiser la balise. Enfin, normalement je devrais pouvoir aller là, mais il n'y a personne qui vient m'aider, donc c'est problématique hein. Je me sens très seul au monde là actuellement. Bon, et bien écoutez, on va s'arrêter là. La suite sera au prochain épisode, car là, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Hein, au prochain épisode, ben, on continuera. On n'a pas le choix. En tout cas, je vous remercie pour avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. On est bloqué sur cette partie-là. Je ne sais pas, j'espère que la prochaine fois, ben, on va trouver. Parce que c'est un peu con, on va dire. Hein, être bloqué, à tourner en rang, en carré, c'est pas trop. En tout cas, merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-vous bien, pensez à vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait, pensez à activer la cloche des notifications aussi, c'est très important, et on se dit bye bye à la prochaine, allez, bye bye les amis, portez-vous bien, bonne journée, bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous visionnez la vidéo, c'est toujours pareil, allez, à plus.